Oui, bonjour. Bonjour. Alors, c'est Solidaire d'abord. Différent, pas pareil que les autres émissions que vous pouvez entendre, mais c'est normal, on est sur Fréquence 7. Et donc, aujourd'hui, on a tellement de sujets qu'on va aller, on va y aller sur des chapeaux de roue. Alors, on va parler de l'agriculture, on va parler de Manouchian, on va parler de Gaza, on va parler de BLM, Bruno Le Maire, hein, on va parler de culture et de Judith Godrèche, on va parler... en même temps de Jamila, la caissière de Super U. Et puis, on va parler des gens qui sont en lutte, là, qui sont convoqués, enfin, etc. Ben, tout un ensemble de choses. Alors d'abord, rapidement, sur l'agriculture. Vous avez vu ce qui s'est passé au salon, là ? Ah, c'était animé, hein ? C'est le moins qu'on puisse dire. Ouais. Moi, je ne sais pas si, même au niveau de la com, il a eu raison d'insister et de rentrer comme il a fait, etc. Parce qu'il y a plein de gens qui disaient... Mais je veux qu'ils se taisent, qu'ils dégagent, qu'ils se taisent, quoi. Voilà. On se demande comment les agriculteurs n'ont pas encore été traités d'agro-terroristes. Absolument, absolument. Alors, c'est vrai que ça n'est pas... C'est une crise structurelle plus une crise conjoncturelle, puisque en ce moment, les marges qui sont faites par les agro-industriels, plus les distributeurs, sont colossales. Et plus ça va, plus le prix qui est payé à l'agriculteur est faible. Et donc c'est normal qu'à un moment, les mecs, ils peuvent plus, quoi. Ils ont la tête sous l'eau, puis on appuie. Oui, complètement. Oui, je crois qu'ils travaillent pour rien, quoi. Enfin, voilà, disons, ils travaillent pour rien. Il faudrait qu'ils se payent pour travailler. Et qui est responsable ? Eh ben, la FNSEA, qui co-gère depuis 60 ans l'agriculture avec les ministres successifs. Mais Macron, il est là depuis 7 ans maintenant. Hein, donc il en est aussi responsable. Et il explique que lui, pas du tout. Lui, hein. C'est jamais lui. C'est jamais lui. C'est voilà. Jamais lui. Bah, en revanche, il signe des traités de libre-échange. Il permet à des produits qui contiennent des substances interdites ici de rentrer via d'autres... qui viennent de l'étranger. Donc les paysans ici ont des normes qu'ils respectent. On a de la chance en France pour ça. Et en revanche, ces produits interdits arrivent chez nous par d'autres, par les marchés de libre-échange. Voilà, c'est complètement fou. Alors Sandrine Rousseau, par exemple, explique que les centrales d'achat qui font les prix, tu sais, ce qui permet de faire les prix que les agriculteurs subissent, ben, ces centrales d'achat, elles sont hors de France. Donc, elles ne subissent pas la loi Egalim. Eh oui. Tu vois, et Macron répond, oh, ben, on va en faire une Egalim 4. Ça va tout arranger. Enfin, voilà, c'est complètement absurde. Et en plus, alors évidemment, Macron aussi parle du fait de faire plus de contrôle. On va faire plus de contrôle, comme ça va s'arranger. Mais avec moins de contrôleurs. Mais avec moins de contrôleurs, puisque BLM, Bruno Le Maire, baisse les budgets. Moins de contrôleurs et moins de moyens. Il y a 30% de contrôleurs en moins. C'est-à-dire, tu sais, comme ce que tu expliqueras sûrement tout à l'heure sur le fait qu'ils baissent complètement les budgets de tout ce qui est service public, eh ben, il y a 30% de contrôleurs en moins. Mais ils vont faire plus de contrôles, chercher l'erreur. Voilà. Alors, les pauvres agriculteurs, je pense que vous êtes vraiment dans la merde avec Macron. Et ne croyez pas qu'avec le RN, ça serait mieux. Parce que c'est le même combat. Hein. Ah, c'est exactement les mêmes. C'est tout à fait le même combat, oui. Ouais. Oui, oui. Ils sont sur le même champ. Et d'ailleurs, il y a, comment il s'appelle, c'est le bordel, Bardella. Qui a été interviewé, qui disait, ben, mais bien, oui, ben, oui, ben, bien sûr que, mais, oui.
Mais par contre, il a tout, disons, un accueil vachement favorable. Oui. Quoi. Et ça déconcerte quand même. Qu'est-ce qu'il va faire? Il fera rien. Il fera rien de mieux, puisque aujourd'hui, ils font rien. Aujourd'hui, ils votent aussi, hein, ces gens. À la fois ce qu'ils ont voté à l'Europe, ce qu'ils ont voté en France, etc., ça ne va absolument pas dans le sens d'un changement. Et le mec, quand il est interviewé, je te dis, Il dit oui. Voilà, tout est dit, quoi. Et ils font qu'il y a même des selfies, quoi. Ça paraît fou, quoi. Que les gens aient cette cette fierté d'être pris avec Bardella. Voilà, tout à fait. Alors, deuxième sujet, Manouchian. Et ben voilà. Alors toi, Alain, t'as bossé sur Manouchian. Un petit peu. Alors, je vais vous dire quelques mots sur cette chanson que vous avez bien sûr entendue de Léo Ferré, hein, qui avait été écrite par Aragon, hein, l'affiche rouge. Hein. Ils étaient 23 quand les fusils fleurirent, 23 qui donnaient leur cœur avant le temps, 23 étrangers et nos frères pourtant, 23 amoureux de vie, de vivre à en mourir, 23 qui criaient « La France !» en s'abattant. Alors les dates importantes de Nissak Manouchian, par rapport à sa vie, hein, on sait qu'il a été fusillé le 21 février 1944, hein, c'est le jour de l'exécution au Mont Valérien, avec les 23 autres collègues. Et il a écrit donc une lettre, j'allais dire merveilleuse, mais en tous les cas courageuse, lucide, magnifique, pacifiste par rapport au peuple allemand. Hein. Et cette lettre a été adressée à son épouse Mélinée. Il a eu une vie quand même très, très difficile. Hein. Les jeunes diraient aujourd'hui, il a eu une vie de merde. Hein. À 9 ans, il avait déjà ses parents qui étaient victimes du génocide arménien en 1915. Hein. Il débarque après à Marseille, donc il est élevé dans un orphelinat avec son frère. Hein. Il débarque à Marseille à 19 ans. Il est sans papier. Il avait appris le métier de menuisier dans l'orphelinat, hein, et il va l'exercer dans le sud de la France. Puis il va devenir ouvrier tourneur. Là, il est à peu près tranquille, on va dire, hein, dans les usines Citroën à Paris. Et c'est là où ce jeune apatride est au contact des organisations communistes. Hein. La montée du fascisme en France le préoccupe. Le rejet des étrangers et l'antisémitisme augmentent à cette époque-là. Hein. Il y a d'ailleurs, disons, des similitudes par rapport à notre époque, je trouve. Hein. Oui, la presse d'extrême droite attise les tensions, crise économique, chômage, nombre croissant d'immigrés. Il y a 2 millions d'étrangers en France en 1930. Et suite à l'émeute d'extrême droite du 6 février 1934, pour Missak Manouchian, eh ben, c'en est de trop. Et là, il adhère à l'International communiste, qui est l'ancêtre du Parti communiste français. Au même moment, au sein de la main-d'œuvre immigrée, le MOI, hein, il retrouve d'autres Arméniens, mais aussi des Italiens, des Espagnols, des Polonais, des Portugais, et aussi une Arménienne rescapée du génocide, son amoureuse Mélinée. Alors on peut se poser la question, pourquoi ces étrangers vont-ils s'engager dans l'armée française après le 1er septembre 1939, date où Hitler a envahi la Pologne, qui est un pays allié à la France, hein. Alors Paris ordonne dès le lendemain la mobilisation générale. Il y a 80 000 immigrés et réfugiés qui se présentent. D'eux-mêmes, 45 000 qui seront incorporés, et parmi eux, Missak Manouchian. Alors on peut se dire, mais quelles sont les valeurs qui les ont poussés? Ben les valeurs, c'est l'antifascisme, hein, on peut le comprendre, bien sûr, les Italiens, les Espagnols, hein, on peut comprendre, tout à fait. Le patriotisme, ben les Polonais, eux, ils ont envie de retrouver leur pays
qui a été envahi par, par les SS. Hein. Ils ont une obéissance au Parti communiste parce que le Parti communiste représente pour eux le rêve d'un monde sans frontières, d'un monde juste où le petit, disons, est reconnu à sa valeur. Et ils veulent se rendre utiles à la France, hein, qui est leur pays d'accueil. Alors, qu'est-ce que dira le pouvoir de Vichy ? Il les traitera de judéo-bolcheviques, les Allemands aussi, évidemment. Et ça, c'est en 1940. Judéo-bolcheviques. Ça ouais. me rappelle quelque chose. Ça me rappelle non quelque chose. Hein, ouais. Nous, maintenant, les gens qui s'engagent pour une résistance, pour un partage, tout ça, on est appelés islamo-gauchistes. Ça vous dit, non, ça vous dit rien hein. C'est voilà, 2020, 80 ans plus tard, les mêmes, en gros, parce que Manouchian, il aurait été islamo-gauchiste aujourd'hui. Je pense, oui. Ah, ah, oui. Ça, c'est complètement clair. Et on serait pas, nous, on ne rentre pas au Panthéon. Hein. Hein. Et on n'est pas les amis à Macron. Hein. Et Macron n'est pas en train de nous dire « Oui, félicitations, les petits copains ». Non, pas du tout. Exactement comme c'est un détournement de sens, exactement comme ça s'est passé avec Badinter il y a 3 semaines, un mois. Hein. C'est-à-dire des gens qui se sont battus vraiment, qui se sont battus pour pied à pied, pour des vraies valeurs. Ben voilà, il les récupère, il les met dans son petit fagot, et puis voilà, circuler, les copains, il n'y a plus rien à voir. C'est scandaleux, voilà, c'est complètement scandaleux. Alors, au passage, il y a les amis de Rachfus, hein, c'est-à-dire, hein, c'est un type extraordinaire. Oh, extraordinaire, c'est le Rachfus qui a créé l'Observatoire des libertés publiques. Il s'est toujours battu contre les gens, les oppressions d'État, entre autres de la police. Hein. Quand des gens ont subi des rafles, etc., entre autres en Algérie, pour l'Algérie ou pour d'autres. Hein. Et donc ce gars-là, eh bien, il dit... Pardon, les amis de Rachfus, parce que Rachfus est mort, il est mort il y a 3-4 ans, disent que jamais Manouchian aurait accepté de rentrer au Panthéon avec les valeurs de Macron. Moi j'aurais... Et alors toi, Amalia Amélie, Amalia, comme tu veux. Alors pourquoi, on en parlera. Ouais. Ouais, une autre fois. Et donc, moi, je voulais juste dire un mot de Léon Landini, quand même, qui est le dernier compagnon vivant de Manouchian, oui. Qui n'avait pas été invité à la cérémonie de panthéonisation. Et Blast a fait une superbe vidéo sur lui. Il y en a même deux, hein, deux Il y vidéos. En a deux, même, deux. Oui, oui. Mais la première a eu un grand retentissement. Et bon, bah, suite à ça, quand même... Léon Landini, qui a 98 ans, qui est un véritable personnage. Vraiment, allez voir cette vidéo oui. de Blast. Ah oui, c'est merveilleux. Il faut aller voir. Il est très touchant parce que c'est un héros du quotidien en même temps. Complètement. Hein. Et... Il est vraiment, lui, ouais. Vraiment, vraiment. C'est un homme, il vit très, normal, très simplement. Il vit en HLM ouais. Et il a eu, il a une vie exemplaire, moi, je trouve. Quoi. Enfin, puis il a encore un courage et il n'y a qu'à, aujourd'hui, à 98 Incroyable. Ans. Fait. Voilà. Et je voulais juste donner une des phrases de la lettre que Manouchian a envoyé à sa femme, et qui est une phrase quand même qui en dit tellement long sur lui, c'est « Je meurs sans haine pour le peuple allemand ». Ah oui, c'est, voilà. J'ai trouvé voilà. aussi formidable, oui, c'est de citer, enfin de pouvoir dire ceci. Quoi. Et ce que tu disais, on fait très court, Alain, sur Landini, c'est qu'il est rentré lors de la cérémonie au Panthéon, mais on ne voulait pas que... On voulait pas le drapeau, quoi. Enfin, il y a eu tout un problème. De FTPMOI qui représentait qui celui de Manouchian, quoi. De Manouchian et de toute cette équipe des 23. Et de toute l'équipe des 23. Ouais. Donc, on peut panthéoniser, mais il ne faut pas son drapeau. Quand alors, même. Il a simplement dit, eh ben, écoutez, si le drapeau ne rentre pas, moi, je ne rentre pas non plus. Quoi. Ouais. Hein, voilà. Voilà. Ouais. Il a cette capacité-là. Ah, oui. Hein. Et il a dit, c'est encore une victoire. Voilà, c'est magnifique, ça. Alors, troisième sujet, c'est Gaza. Alors, moi, je voulais parler de Gaza, là, parce que vous avez la chance, si vous avez envie, de vous informer pour de vrai, c'est-à-dire de ne pas subir ce que vous balancent les médias mainstream en permanence, d'avoir accès à un complément d'enquête qui a été passé le jeudi 15 février et qui est encore visible, disponible jusqu'au 17
mars. Ce complément d'enquête, qui dure une heure à peu près, montre tous les mensonges de la com d'État d'Israël qu'on a pu subir. Mais moi, ce qui m'interroge, c'est pas que Israël mente, parce que voilà, c'est un État qui essaie de s'en sortir avec toutes les contradictions qu'il peut y avoir. Et je suis pas du tout d'accord avec Israël, hein, qu'on soit bien d'accord. Mais par contre, que nous, on ait relayé cette information comme on l'a relayée. Nos journalistes. On a eu que des mensonges qui ont été concoctés par Israël. Entre autres, les 40 bébés morts. Je ne sais pas si vous voyez de quoi je veux dire. On a entendu ça. Il y en a pas. C'est pas vrai. Biden. Le problème, c'est qu'on n'a pas une presse d'information. Voilà. Biden a déclaré qu'il y avait plein d'enfants qui étaient brûlés, mutilés. C'est pas vrai. La Maison Blanche a déclaré par la suite que c'est pas vrai, a fait un démenti. Et tout est comme ça, tout depuis le départ. Mais ça, c'est super grave pour notre démocratie, parce que quand on va, quand tu appuies sur ton bouton de télé, c'est marqué dessus information, tu crois que tu as une information. Voilà. C'est scandaleux. Et donc, scandaleux. Tu ne peux pas penser correctement si tu es manipulé comme ça, c'est impossible. Mais en plus, il le théorise. Ils disent, il faut réagir vite, peu importe si c'est faux. C'est Israël qui dit ça. Mais en cascade, nous, derrière, on a fait la même chose. Mais oui, c'est insensé. Moi, je pensais naïvement que les journalistes vérifiaient leurs informations, tu vois, avant de les larguer dans la nature. Et en fait, on voit que là, ça a été vraiment... Ils sont les vrais journalistes, sans doute, hein, mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, les gens dépendent d'oligarques. Hein. On sait que toute la presse, pratiquement, les radios et tout, sont possédées, disons, par des oligarques. Donc, elles sont à des fins, un objectif politique très clair, hein, qui est au niveau de néolibéral. Mais c'est ça le problème, que les conflits d'intérêts ne sont pas mentionnés à chaque fois. On se fait avoir, bien sûr, bien sûr. On s'est tous fait avoir, et on se fera tous encore avoir. Alors, donc, après 4 mois de mensonges, vous pouvez aller voir ce complément d'enquête qui remet les pendules à l'heure. Et donc, c'est encore visible, je vous dis, jusqu'au 17 mars. Et franchement, ça vaut le coup d'aller voir, d'avoir enfin une info contradictoire. Parce que là, ils sont pas en train de dire Gaza a raison, hein, ou les Gazaouis ou le Hamas. C'est pas ça du tout. Le Hamas aussi est chargé. Mais en gros, sur une heure, il y a 5 minutes sur les mensonges de Gaza, puis 55 minutes sur les mensonges d'Israël. Bon, et voilà. Tout est dit, là, presque. Et juste, il y avait un petit truc sur le joueur de Wood qu'a rencontré Ruffin. Ah, c'est trop... c'est vraiment... j'ai été extrêmement touchée par cette vidéo. Il se trouve que Ruffin a rencontré par hasard dans le train un monsieur qui est palestinien, qui habite en France et qui est luthier. Et donc, Ruffin est allé chez lui pour discuter. Et en fait, cette personne expliquait que lui, sa façon de luther, c'est l'art, c'est la musique. Et il est interdit d'entrer... redis-moi, Michel... À Nazareth. À Nazareth, voilà. Juste parce qu'il joue un morceau de musique sans parole. On l'a interdit. Parce que cette musique-là représente la culture palestinienne. Vraiment, allez voir cette vidéo, c'est extrêmement touchant. Alors, sur la culture, on fait une transition. Judith Godrèche, hein, qui est venue à la cérémonie des Césars, entre autres, pour dénoncer le MeToo français, en fait. Hein, voilà. Dénoncer, entre autres, Depardieu, au passage. Elle ne s'est pas attaquée sur Depardieu, mais enfin, il est dans le lot. Donc, Benoît Jacquot et Jacques Doyon, hein, qui sont chargés par Judith Godrèche. Elle a porté plainte, hein, contre eux. Voilà. Et elle dit une phrase qui est absolument terrible, hein, au total, ce qu'on peut en garder, moi, c'est ça que je garde, c'est deux mains dégueulasses sur mes seins de 15 ans. Moi, je sais pas, ça fait un effet, tu vois. Mm-hmm. Voilà, c'est vrai, quand tu restes là-dessus, c'est très dur. Alors là-dessus, il y a quand même, là-bas, si j'y suis, avec notre ami Mermet qui fait un parallèle et qui dit, oui, c'est très bien, Judith Godrèche. Et il y a aussi Jamila, là, du Super U. Tous les jours, il y a son patron qui vient la peloter, etc. Voilà, c'est ça, quoi. Mmh. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que Judith Godrèche. On sait que notre société est malade de ça. Mmh. Hein? Malheureusement. Je me demande toujours comment il est possible
que l'humanité n'arrive pas à marcher en harmonie sur ses deux jambes. Tu vois, le masculin, le féminin, en harmonie. Sur la planète entière, c'est comme ça. Je ne sais pas pourquoi. Le 8 mars approche, hein, c'est pour ça. Le 8 mars sera là avant la prochaine émission. On voulait quand même parler de ça. C'est vrai qu'il y a aussi le côté culturel dans toute cette histoire. C'est vrai qu'on a une ministre, Rachida Dati, je ne suis pas sûr du tout, pas du tout convaincu qu'elle va défendre la culture, la culture française, la culture des Lumières, la culture de Voltaire, qui n'a jamais dit, mais malgré tout, on sait bien qu'il était dans ce truc-là. Elle va peut-être défendre les. Je ne suis pas d'accord avec toi, mais je te défendrai pour que tu puisses t'exprimer. Hein, c'est ce que disait Voltaire. Ou en gros. Hein, elle va peut-être défendre, comme sur un dessin, les perles de culture de son collier. Donc voilà, avoir Dati comme ministre de la Culture, pour moi, c'est une régression française. Mais enfin, bon, voilà, Macron n'en est pas à sa première. Et puis, on voulait parler un tout petit peu du député Adrien Clouet, France Insoumise, qui nous fait une déclaration. Député Adrien Clouet, ça doit être le premier extrait. Je me suis gouré. Hein ? C'est pas Chapoutot, c'est l'autre. Excuse-moi, Sylvain, inverse. Depuis plusieurs semaines, des révélations se succèdent. On voyait la silhouette des députés macronistes, on découvre qu'elle cache l'ombre d'actionnaires privés qui font la loi selon des intérêts particuliers. 6 mois dans ce pays que nous plaidons en faveur d'un blocage des prix de l'essence et d'une taxation des super-profits. 6 mois que vous tournez autour du pot et que découvre-t-on ? Que Madame la ministre Firmin Baudot est actionnaire de Total Energy, ainsi que Monsieur le ministre Ndiaye, ainsi que les députés Pont, le député Fievé, la députée Melchior, la députée Christol, et j'arrête là, 2 minutes ne suffiraient pas. Tous actionnaires de Total. Tu m'étonnes qu'ils votent contre taxer les super profits. Et c'est le cas pour absolument tous les grands monopoles qui sont représentés dans cet hémicycle. Je pense au député Jean-René Cazeneuve, 350 000 euros d'actions chez Bouygues. Opérateur, par ailleurs, que nous sommes obligés d'utiliser avec nos téléphones à l'Assemblée. Je suis ravi qu'à chaque SMS, je vous profite personnellement. Alors, bien sûr, nous nous méfions à l'heure de débattre des régimes de retraite et de votre réforme. Nous vous demandons qui ici a des intérêts particuliers et personnels. Qui ici a des investissements dans des plans d'épargne retraite. Qui investit dans des fonds de pension, à part Madame la Ministre Oudéa Castéra. 2 millions d'actions dans les assurances et les régimes bancaires ainsi que le crédit. La seule gagnante de la réforme, c'est elle. Voilà, tout est dit sur la politique française et entre autres la politique économique de Bruno Le Maire, qui nous a expliqué il n'y a pas si longtemps qu'on allait, mettre à genoux la Russie avec les sanctions qu'on allait lui mettre, etc. Résultat, la Russie fait 3,4% de bénéfices en ce moment. Hein. Le PIB est en hausse de 3,4%, pendant que nous, à la France, on est en grande plongée, on est en à grande moins récession. De 1%. Voilà. Et tout ça. Voilà, Bruno Le Maire nous explique, comme toujours, il nous explique l'écologie, l'économie, qui n'est pas l'écologie, puisque, entre autres, dans les 10 milliards... 10 milliards qui sont annoncés en février, donc on prend sur la rénovation thermique des logements, le compte de formation professionnelle, une suppression de 11 000 emplois dans l'enseignement, 7 500 postes dans la recherche, 1 200 dans l'agriculture et l'alimentaire, 400 dans la diplomatie, 0 dans la police... Dans les prisons aussi, on baisse. Dans les prisons, on baisse. Voilà, bon. Voilà. Et en plus, c'est fait d'une façon vraiment antidémocratique, parce que normalement, il faudrait passer par un projet de loi de finances rectificatives qui passe devant l'Assemblée et qui normalement devrait être voté si on n'y a pas de 49-3. Et là, en fait, ça passe par décret, donc voilà. Voilà. Alors, il nous reste juste un tout petit temps pour parler des luttes en cours. Entre autres, à Saint-Pierre-de-Colombier, les convocations vont bon train à la gendarmerie de Thwaites, parce qu'on en a voulu s'opposer au projet de basilique qui est en cours. Hein. Et donc, il y a déjà une dizaine de militants qui se sont opposés à cette construction de basilique, qui sont déjà passés à la gendarmerie, qui auront sans doute une amende, on peut supposer. Il y en a 15 qui sont prévus.
quand même. Donc, excusez du peu. Et voilà. Deuxième annonce sur les luttes en cours, ben, y a Philippe Kaufmann qui va passer au tribunal à Privas vendredi 1er mars parce qu'il a osé faire une entrave à la circulation. Il est accusé de ça par rapport au moment des manifs retraite. Et Philippe disait entrave à la circulation, mais c'est pas les flics qui doivent gérer la circulation pendant les manifs. Il y a un truc là pas clair. Bon, il y a un covoiturage qui se fera à Millet à 7h30, donc vendredi 1er mars, pour aller le soutenir. Donc il passe normalement à 9h. Enfin, je suis pas sûr qu'il passera à 9h au tribunal à Privas. Hein. Et puis, dernière info sur Assange, je fais le plus court possible. C'est quand même scandaleux que Assange se retrouve encore à demander la permission de pouvoir faire appel de son jugement d'extradition vers les États-Unis. Lui qui a défendu quand même, rappelons-nous, hein, le fait que les USA ne pouvaient pas comme ça faire des interventions militaires en Afghanistan, en Irak, comme ils l'ont fait. Et ben voilà, il se trouve aux États-Unis. 175 ans lui pendonner là. C'est ahurissant. À bientôt, bon courage. Au revoir. Au revoir. Bon état.